Nous sommes actuellement devant la maison des associations d'Orléans, rue Sainte-Catherine. Cette maison des associations n'a pas toujours eu cette utilité, car avant 1962, c'était un lycée, le lycée Potier. Mais actuellement, c'est un endroit où les associations viennent se réunir. Et si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter quelqu'un qui a étudié et qui a enseigné au sein du lycée Potier. Il s'agit de Pierre Delair. Pierre Delair est né le 30 décembre 1919 à Orléans, dans une fratrie de 3 enfants. Il est le fils d'un militaire décoré de la Légion d'honneur, mais c'est une toute autre voie que Pierre Delair a décidé de suivre. C'est à l'âge de 13 ans qu'il a découvert l'espéranto, une langue internationale inventée au 19e siècle par Leiser Ludwig Zamenhof. Une langue internationale, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire d'une langue nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à un pays. Nous sommes actuellement dans la salle Erasme de la Maison des Associations. Nous supposons qu'elle a été bien évidemment utilisée par le lycée Potier avant son déménagement, mais pas en tant que salle de cours, plutôt en tant que salle de conférence ou de spectacle, car la salle dispose d'une régie. Pierre Delair a découvert l'espéranto à l'âge de 13 ans, lors d'un congrès d'espéranto à Orléans. Et on peut dire que cette rencontre avec la langue internationale a été une véritable passion pour lui, car en moins d'un an, il a décidé de passer le diplôme de l'attesto precapableco, c'est-à-dire l'attestation de capacité, le diplôme qui permet de devenir professeur d'espéranto. Il était encore au lycée, c'était un lycéen qui avait ses cours le matin et ses cours d'espéranto, où il était professeur, le soir. Mais fait intéressant, ses cours, il ne les donnait pas n'importe où, il les donnait au sein du lycée Potier, le lycée où il étudiait. Il est peut-être intéressant de noter que ce n'était pas un très bon élève, que ce soit en langue ou dans les autres matières d'ailleurs. C'était un élève moyen, la seule chose dans laquelle il était réellement excellent et passionné, c'était l'espéranto. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'un jeune homme décide soudainement de s'intéresser à cette langue, à l'espéranto? Qu'a-t-elle de si particulier? Pourquoi cette langue plutôt qu'une autre? Pour répondre à cette question de pourquoi l'espéranto, il est tout naturel de nous pencher sur l'un des écrits de Pierre Delair. Dans la deuxième édition de « Tu seras espérantiste », l'un de ses livres de propagande pour l'espéranto qui est sorti en 1945, Pierre Delair répond à cette question. Et il dit que dans un contexte de mondialisation, on a besoin d'avoir une langue internationale, d'avoir un moyen, tous ensemble, de communiquer. On peut également penser au fait qu'il y a déjà eu des projets de langue internationale par le passé, mais que ces projets ont échoué, comme le latin par exemple. Le latin jugé trop difficile, surtout quand notre propre langue maternelle n'est pas d'origine latine. Et de nos jours, on a déjà une langue internationale, pourrait-on se dire. On a l'anglais. L'anglais qui est parlé car tout le monde l'apprend à l'école, dans plein de pays, qui est relativement simple à apprendre. Mais pour Pierre Delair, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'une langue internationale pour la communication soit artificielle, qu'elle ne soit pas la langue d'un pays, mais une langue pour tout le monde. Et il faut aussi qu'elle soit simple à apprendre, très efficace. L'espéranto a de nombreux avantages, car c'est une langue qui a été pensée, créée, pour être simple. Dans Tu seras espérantiste, il parle du fait que l'espéranto a une grammaire et une conjugaison extrêmement simplifiées. Tout est rationalisé, il n'y a pas d'exception à la règle, toutes les choses fonctionnent toujours de manière très efficace et très simple. Il faut également noter le fait que l'espéranto, pour atteindre un niveau égal, est 10 fois plus rapide à apprendre que l'anglais. Autrement dit, vous passez peut-être 5 ou 6 ans à apprendre l'anglais pour avoir un certain niveau, l'espéranto, vous l'atteignez en quelques mois. En somme, l'espéranto a de très nombreux avantages. Et le dernier n'est pas des moindres. C'est un principe d'égalité. Lorsque l'on apprend l'anglais, on apprend également, par transparence, la culture anglophone. Car lorsqu'on ouvre un livre d'anglais, on ne va pas vous mettre des exemples de textes qui viennent d'Italie, ce serait illogique. Vous avez des textes d'auteurs anglophones. Lorsque la population mondiale apprend l'anglais, elle ne fait pas qu'apprendre la langue anglaise. Elle apprend également des valeurs anglophones diffusées par la langue. Elle apprend la civilisation anglaise, elle apprend sa culture, à travers son cinéma, sa littérature, qui sont mises en avant dans les programmes d'apprentissage. C'est donc une mise en avant de la culture anglophone, qui est relativement inégalitaire, car ça donne l'avantage à ce pays. Les anglophones n'ont pas besoin d'apprendre l'anglais pour aller à l'international. L'espéranto règle ce problème. Cette langue n'appartient à aucun pays, donc elle n'a pas de culture nationale à mettre en avant. L'espéranto a une culture, bien évidemment, mais c'est une culture égalitaire donnée par ses membres des mondes entiers. À cette époque, il y avait, disons, une scission dans le mouvement espéranto entre, d'une part, un mouvement neutre, donc qui ne se mêlait pas de politique,
et un mouvement ouvrier, donc qui s'inscrivait dans la lutte des classes et qui pensait que l'espéranto pourrait être un bon moyen d'émancipation des classes laborieuses. Et les relations étaient parfois tendues entre les deux. Donc Pierre Deler, à ma connaissance, a eu des relations essentiellement avec le mouvement neutre, mais il n'avait pas non plus d'opposition par rapport au mouvement socialo-communiste anarchiste. Il était très actif au niveau du groupe d'Orléans, et on a des témoignages, donc dans les revues espérantistes françaises de l'époque, qu'il y avait une demi-douzaine de cours d'espéranto sur Orléans et qu'il en assurait au moins trois. Il a aussi commencé à écrire au sujet de l'espéranto, en particulier dans un journal du Loiret, le même journal où écrivait Jean Zay. Pierre Deler a assez bien connu Jean Zay, je pense. Dans sa petite brochure « Tu seras espérantiste », il parle de Jean Zay en termes très élogieux, très flatteurs, en disant que Jean Zay est pour la promotion de l'espéranto, etc. Et d'autre part, il y a des échanges de lettres officielles entre Jean Zay et Pierre Deler, en particulier pour l'organisation d'émissions d'espéranto à la Radio Nationale, donc ce qui montre qu'il y avait une relation personnelle entre les deux. Il a écrit, à partir de ses articles de journaux, un livre, donc l'espéranto en 12 leçons, qu'il a commencé à diffuser dès 1936, donc à l'âge de 16 ans. Lorsque Jean Zay a été ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, dans le gouvernement du Front populaire, Pierre Deler a continué sur sa lancée, donc à les relations avec Jean Zay, et est intervenu en particulier pour déclencher des émissions de radio, donc en 1937 ou 38, au niveau national, alors qu'il n'avait que 17 ans. Le Centre National Espéranto Office a été imaginé par Pierre Deler pratiquement dès le début. Le but du CNO, c'était d'enseigner l'espéranto de façon professionnelle. Il l'a créé donc avant la guerre, donc quand il était tout jeune, quand il était lycéen, sous le nom d'Espéranto Office, et puis ensuite, c'est monté en grade, si on peut dire, ça s'est appelé Centre National Espéranto Office, jusqu'à sa mort. Ça a changé plusieurs fois de localisation dans Orléans au cours du temps, mais c'était toujours l'Espéranto Office. Et c'était conçu comme un moyen pour professionnaliser l'enseignement de l'espéranto, et ça lui a permis de gagner sa vie par l'enseignement de l'espéranto. À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, il a été mobilisé, mais il a aussi essayé de faire de la promotion de l'espéranto dans l'armée française, donc en particulier en faisant intervenir Jean Zay auprès du ministre de la Défense nationale de l'époque, qui était Daladier, de manière à ce que l'espéranto puisse être enseigné dans le cadre militaire. La Deuxième Guerre mondiale a eu un effet de frein très net sur ses activités de promotion de l'espéranto. Elle ne l'a pas envoyé combattre ni être prisonnier en Allemagne. En fait, il a été démobilisé pour raison de santé en 1940. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a continué son activité de promotion de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il a fait quand même paraître des petites annonces dans les journaux pour proposer des cours d'espéranto. Donc ça n'était pas considéré comme de la résistance, même si le gouvernement français, et encore plus le gouvernement allemand, considérait l'espéranto comme une langue de juifs, d'apatrides, et que ça n'était pas à soutenir du tout, il a quand même pu continuer, au moins partiellement, son activité. Il a continué à faire paraître son espéranto en 12 leçons, donc on en a une édition de 1942. Donc, malgré les difficultés d'approvisionnement en papier, donc malgré la censure, donc apparemment, c'était quand même considéré comme une activité admissible. Il faisait passer des petites annonces dans les journaux, donc c'était des petites annonces à titre payant et toutes petites, c'était pas des grosses publicités. On n'a aucune trace de position politique de Pierre Deler. Il faisait paraître ces petites annonces dans des journaux, quelle que soit la couleur politique du journal en question. Donc on n'a aucune trace ni de résistance ni de collaboration. La Seconde Guerre mondiale a grandement impacté et ralenti l'activité de Pierre Deler et de son entreprise, le Centre National Espéranto Office. À la fin du conflit, la priorité était claire, il faut relancer l'activité. Il a donc décidé de lancer de nouveaux projets. Premièrement, les Amiketso Congressoi. Les Amiketso Congressoi sont littéralement en français des congrès de l'amitié. C'était des voyages dans un lieu en Europe ou en France, entre espérantistes pour faire du touriste, passer du bon moment, et, bien évidemment, utiliser la langue internationale dans de nouveaux contextes. Les congrès, c'est une tradition dans tout le mouvement espérantiste, c'est-à-dire que c'est des gens de différentes régions, de différents pays, qui se réunissent pour parler ensemble d'espéranto.
Pierre Delerre a essayé de faire des congrès plaisir, donc les congrès de l'amitié, où l'important c'était d'être ensemble pour se faire plaisir. Et donc il en a organisé dans plusieurs pays d'Europe, en France, en Allemagne, en Yougoslavie, avec un certain succès. On peut aussi noter le fait que Pierre Delerre a participé à des fêtes franco-polonaises, franco-espérantistes, des sortes de fêtes entre plusieurs pays, qui se passaient à la Villa Sébastopol à Orléans. Ce bâtiment a une histoire un petit peu originale, car suite à la fin des activités espérantistes sur Orléans et donc le déclin d'activité du bâtiment, il a été revendu, puis transformé en discothèque, et malheureusement, cette discothèque a brûlé. Pierre Delerre a également eu des activités à la radio. Dès 1947, il a entamé une série de cours radiophoniques d'espéranto au sein de la radio-télévision française, la RTF. Et ces cours ont connu un franc succès. C'était des émissions régulières. Je pense qu'à un moment, c'était toutes les semaines, sinon toutes les deux semaines. C'était vraiment très régulier, très organisé. Et il utilisait le fait d'être professeur à la radio pour faire de la publicité pour son livre. Il utilisait son livre pour faire de la publicité pour ses émissions à la radio. Donc c'était tout un système de promotion de l'espéranto en général. Ne quittez pas l'écoute, voici le cours d'espéranto. Veuillez écouter la sixième leçon d'espéranto par Pierre Delerre. Gesignoroi, mi diras al vi, bonan matenon. Ce qui veut dire, Simone? Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Prenons d'abord un exemple pour Pia. Monsieur Durand vend sa voiture. Vous traduirez ça comment? Signoro Durand, Vanda, Venda, Venda, toutes les lettres. Cian Automobile. C'est bien ça? Oui. Signoro Durand, parce qu'il ne faut pas oublier la sonotonique non plus. Ah oui. Toujours sur l'avant-dernière. Là? Là, ça. Signoro Durand, Venda, Cian Automobile. Alors nous sommes au siège de l'association Espéranto France, qui est une des principales et probablement la plus ancienne association d'espéranto en France et peut-être la plus ancienne dans le monde. L'association a été créée en 1898. Elle ne s'appelait pas Espéranto France à l'époque, elle a changé de nom. Hein, mais effectivement, elle a été créée avant même l'Association universelle d'espéranto qui a été créée 10 ans plus tard. Et c'était la société pour la propagation de l'espéranto à l'époque. Et les Français étaient les, disons, à l'époque, était la partie la plus forte du mouvement espérantiste. Pierre Delerre était, disons-le, probablement un des tout premiers espérantistes qui faisait de l'espéranto une activité professionnelle. À l'époque, et encore en grande partie aujourd'hui, l'espéranto est une activité associative. La plupart des gens qui enseignent gratuitement, bénévolement. Et lui en avait fait vraiment son activité professionnelle. Il avait donné des cours à la radio pendant de longues années, donc il, à ma connaissance, il n'en donnait plus à l'époque où on l'a connu. Et il avait un cours par correspondance où il, en 12 leçons, et à chaque leçon, on envoyait un devoir qu'il nous corrigeait. Et c'est comme ça qu'on progressait, disons. La langue étant facile, j'ai terminé relativement rapidement l'étude de la langue. Donc je pense que j'ai continué avec lui environ 2 ans. Je n'ai jamais suivi de cours en présentiel, disons, mais par l'intermédiaire de son livre et de ses cours par correspondance, j'ai appris l'espéranto et j'ai appris l'espéranto aussi en participant au voyage qu'il organisait. Il a fait de la promotion de l'espéranto un peu partout en France, par exemple, en organisant des projections de cinéma, en organisant des interviews, des soirées récréatives un peu partout en France. Mais il a aussi lancé une campagne mondiale de promotion de l'espéranto qui permettait de, disons, de promouvoir l'espéranto au-delà des frontières françaises. Il a aussi organisé un concours d'espéranto. Et les gagnants du concours allaient dans des pays européens, donc gratuitement hébergés par les habitants. Et puis aussi, il a organisé une activité de correspondance, c'est-à-dire que des gens de tous les pays pouvaient avoir un correspondant dans d'autres pays, donc de langues différentes, et ils correspondaient entre eux par l'intermédiaire de l'espéranto.
et c'était Pierre Delerre et son Centre National Espéranto Office qui faisaient l'intermédiaire. Le premier voyage auquel j'ai participé en 1971, c'était en Yougoslavie, plus précisément en Serbie, à Niš. Et l'année d'après, j'ai participé à un autre voyage qui avait une partie en Serbie, à Niš, puis quelques jours en Bulgarie et quelques jours en Roumanie. Donc on est allé jusqu'en Roumanie comme ça. Et c'était des voyages où on était dans une famille espérantiste. Il y avait des activités touristiques, etc. Il n'y avait pas de. J'ai pas de souvenir d'avoir un programme très strict. C'est-à-dire, effectivement, on faisait du tourisme, on parlait espéranto entre nous et avec la famille. C'était un milieu familial, mais ce n'était pas une organisation où à telle heure vous avez tel cours, telle conférence, etc. Je n'ai pas de souvenir de ça. Pierre Delerre était assez connu dans le milieu espérantiste, avec des opinions variées selon les gens. Disons, il était très actif, beaucoup plus actif que la plupart des organisations structurées. Mais en même temps, du fait qu'il voulait gagner sa vie par l'espéranto, il était parfois assez mal vu parce que d'autres personnes considéraient que l'espéranto, ça devait être totalement gratuit, totalement désintéressé. Mais en tout cas, il était très actif. Il a été membre, je pense, de l'Institut français d'espéranto et a eu des relations avec toutes les organisations espérantistes de l'époque. Dans le milieu espérantiste, certains voyaient ça d'un mauvais œil, de faire payer des cours d'espéranto. Cela dit, c'était vraiment son activité professionnelle, son activité unique, il fallait bien qu'il vive, et il a pas fait fortune, mais enfin, il arrivait à vivre de ses cours, de ses livres. Pierre Delerre avait écrit de nombreux livres, il avait un véritable travail d'écrivain. Il a, entre autres, écrit et publié une traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry. À l'heure actuelle, c'est pour cela qu'il est d'ailleurs le plus connu. Dans le monde espérantiste, lorsqu'on parle de Pierre Delerre, on dit « Ah bah oui, c'est celui qui a traduit le Petit Prince !» Et donc, le Petit Prince a connu de très nombreuses rééditions, trois au total, dont une en 2018. Dans les milieux associatifs, on parle pas tant que ça de Pierre Delerre, puisque effectivement il était un peu en marge de tout ce qui est associatif. Mais enfin, Le Petit Prince est l'ouvrage qu'il a traduit. Moi, ce qui me reste, c'est que sa méthode, l'espéranto vivant, était une bonne méthode. Donc ça, c'est un bon enseignant. C'était quelqu'un qui se dévouait vraiment tout entier à la cause de l'espéranto. Et qui a vraiment consacré sa vie à ça. J'avais 16 ans quand je suis rentrée dans la famille Delerre. Donc c'est là que j'ai connu M. Pierre Delerre pour la première fois. Et puis après, je suis restée jusqu'à maintenant dans la famille. Il était souvent dans son bureau, premier étage, parce qu'évidemment, il travaillait beaucoup. Et bon, quand j'arrivais, effectivement, je montais dire bonjour à Monsieur Delerre, mais c'était toujours, c'est vrai, j'étais pas très à l'aise, quoi. J'étais très jeune. On était à table, par exemple, avec les trois frères Delerre et puis la maman Delerre, et puis j'étais là. Et il arrivait toujours en retard. Le repas était toujours commencé. Et on était tous branchés devant la télé. Hein, c'était la télé, bon. Et ça l'énervait beaucoup, parce qu'il arrivait, je me rappelle toujours ça. Et il se mettait devant la télé, puis il mettait un instant fouet à déplier sa serviette pour nous empêcher de regarder la télé. Bon, ça c'est... Mais c'est pas à raconter, ça. Et lui, il avait un espoir, je me rappelle quand même, il avait un espoir, c'est que l'espéranto soit enseigné un jour ou l'autre dans les lycées. Et il y croyait. Parce que ça a failli se faire. Mais ça ne s'est pas fait, parce que c'est l'anglais qui a pris le dessus, comme langue internationale.
Mais c'était quand même... Moi, j'avais trouvé ça bien à l'époque et je me disais, mais c'est vrai que tout le monde posséderait une langue internationale et pourrait communiquer facilement. Ça rapproche les gens quand même, hein. C'est plus facile. Et bon, ben, donc ça ne s'est pas fait. Il était un peu déçu, je comprends. L'espéranto à l'école, c'est toujours un problème qui n'est pas résolu parce que il y a une centaine d'années, l'éducation nationale était fermement opposée à l'espéranto à l'école et a même interdit l'enseignement de l'espéranto dans les écoles. Puis après, elle est revenue sur l'interdiction, mais sans vraiment autoriser à l'enseignement de l'espéranto. Dernièrement, on a eu des contacts qui étaient plus prometteurs avec le ministère de l'Éducation nationale. Et d'après ces contacts, bon, il semble que si on arrive à créer une demande de l'espéranto dans les établissements scolaires, ils ne seraient pas contre le fait qu'il y ait des cours. Mais c'est à nous de créer la demande et c'est à nous de trouver les professeurs qui seraient capables d'y répondre. Pierre Delaire est décédé en 1985 et suite à sa mort, de nombreuses activités espérantistes de la région d'Orléans se sont arrêtées. Les Amiketso Congressoi, les congrès de l'amitié, ont cessé. Il était président de la HEDERO, l'association espérantiste d'Orléans qui a cessé ses activités. De plus, son entreprise, le Centre National Espéranto Office, ne lui a pas survécu. L'héritage de Pierre Delaire, c'est un petit peu comme l'héritage du Petit Prince ou l'héritage de Saint-Exupéry. On peut dire qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Et pourtant, comme trace, il en reste d'une part le Petit Prince, qui a été réédité depuis sa mort. Donc la dernière fois, c'était dans les années 2000 et quelques. Il en reste aussi la rue de l'Espéranto à Fleury-les-Aubrais, donc qu'il a inaugurée en 1951. Et on peut penser que c'était lui qui avait agi au niveau de la mairie pour promouvoir cette idée d'une rue de l'Espéranto. Et puis donc, il en reste l'association Espéranto Loiret, qui essaye de continuer son œuvre, c'est-à-dire de promouvoir la langue internationale espéranto. Pour moi, ça reste une figure importante du mouvement espérantiste. Ça reste une figure importante parce que, bon, d'une part, il a prouvé qu'on pouvait donner des cours d'espéranto à la radio. D'autre part, il a prouvé qu'on pouvait enseigner l'espéranto de manière professionnelle, ce qui n'était pas le cas des associations. Hein, donc, et puis, je pense qu'il a fait énormément connaître l'espéranto parce que j'ai consulté un certain nombre de lettres de ses élèves ou de gens qui ont entendu, qui lui ont écrit après avoir entendu ses interventions à la radio et donc qui sont le plus souvent élogieuses et grâce à ça, il a quand même réussi à faire connaître l'espéranto, il a donné une grande dimension à l'espéranto. Je l'ai découvert, c'est un peu triste, mais c'est après son décès. Parce que j'étais absorbée après par mon travail, par mes enfants, etc. Donc, comme j'étais pas espérantiste, hein, j'ai pas suivi les cours. Et c'est quand il est décédé, je me suis retrouvée devant tous ses documents, ses livres, ses documents, etc. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est un patrimoine qu'il faut pas laisser tomber. Donc, j'ai commencé à classer, à chercher, à faire des albums sur lui. À regarder ce qu'il avait écrit, ses écrits, quoi. Mais c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à le connaître. Et c'est un jour, à Fleury, lors d'un forum des associations, que dans ce forum des associations, il y avait les espérantistes. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a encore des espérantistes. Je pensais qu'il n'y en avait plus, parce qu'on n'en parlait plus. On n'en parlait pas. Dans les médias, tout ça, on ne parlait pas d'espéranto. Hein. Et donc, c'est là que je me dis, là, ça, bon, c'est perdu, hein, ça se perd, quoi. Mais ça peut renaître, avoir d'espoir.
Nous sommes rue de l'Espéranto à Fleury-les-Aubrais. Cette rue est toute particulière car son nom, rue de l'Espéranto, a été donné le 17 décembre 1951 par Pierre Delerre et l'association La Hedero. Ça s'est passé ici même. Cette rue peut être considérée comme l'héritage de Pierre Delerre, au même titre que ses livres ou ses actions à la radio. La rue de l'Espéranto symbolise au final tout ce que Pierre Delerre a pu faire pour faire entrer cette langue dans le patrimoine culturel pour tous.